On va faire la même chose pour la page 18. On va revenir sur la page 18. Notre bloc ici. Et pour y avoir accès, il faut déverrouiller le calque. Donc, palette des calques, Alt-clic une fois, deux fois à l'endroit du verrou en face du mot habillage. Donc, on a déverrouillé habillage. Le bloc ici, vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire. Et lui aussi, on va faire un style de bloc, on ne sait jamais. Ça peut servir si on voulait modifier les valeurs de marge sur tous les blocs, partout dans le document, tous les blocs qui ont ce style-là. Voilà, style d'objet. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. D'après 100, et on va l'appeler bloc pour texte qui habille. Voilà. Et on va indiquer que ce truc-là l'utilise. Bloc pour texte qui habille. Mais si je mettais bloc pour extrait dans cartouche, ça fait un truc complètement différent. Ah, on l'a pas fait, on n'a pas indiqué. Erreur. Alors, bloc pour texte qui habille, oui, erreur de ma part. En effet, on va indiquer qu'il utilise ce paragraphe-là. On double-clique à droite du nom, du style, une fois qu'il a été fait. Ici, dans style de paragraphe, oui, il faut préciser qu'il utilise texte qui habille. Bien vu, j'avais oublié. OK. Donc, on a vraiment une description du bloc complète. Bon, comme fond, ben, c'est transparent. Comme arrondi, il n'y en a pas. Par contre, on a certainement des marges. Non ? Ah non, ce sont des marges d'habillage. Voilà, style de paragraphe. Voilà, vous ne cochez pas appliquer le style suivant, il n'y a pas de raison. Voilà, OK. Bien, on va enregistrer.